Ratus à l'école du cirque. Les personnages sont Bello, le professeur du cirque, Ratus, Marou et Mina. Pour les vacances, Ratus, Marou et Mina sont inscrits à l'école du cirque. Bello dit au professeur, Surveillez bien Ratus, c'est un bon petit mais il est polisson. Avec les fauves, on ne sait jamais, un accident est vite arrivé. « Pas de problème, » répond le professeur. « J'ai dressé des chiens et des éléphants. J'ai dompté des lions et des tigres. Je dresserai bien un rat vert. » Le premier jour, le professeur annonce. « On va commencer par un numéro simple. On va dresser le chien des clowns. »« Facile, » dit Ratus en mâchouillant du fromage. « Moi, j'en ai déjà dressé un, et un gros. Il s'appelle Victor. »« Puisque tu es si malin, » dit le professeur, « vas-y. « Dresse ce chien !»« Euh... » fait Ratus en regardant le caniche qui est assis sur son derrière. « Couché !» crie le ravert. Et le chien fait le beau. « Assis !» crie encore Ratus. Et le chien se couche. Marou et Mina éclatent de rire. « Il fait tout à l'envers !» dit Ratus. « Il est idiot ce caniche !» Ratus n'aurait pas dû dire ça. Le chien se précipite sur lui et le pauvre ravert se sauve à toutes jambes. « Au secours Il veut me mordre !» Le professeur crie au chien. Attrape-le Ratus s'affole et court dans tous les sens. Le caniche, lui, revient au pied de son maître. Saute dit le maître. Et le chien se couche. Nous sommes dans un cirque, explique le professeur. Ce chien est dressé pour faire le contraire de ce qu'on lui dit. Cela amuse les spectateurs. Pas moi grogne Ratus. J'ai eu une de ces peurs. L'après-midi, il faut apprendre à marcher sur un fil. Nina avance lentement en s'aidant d'un balancier. C'est maintenant au tour de Ratus. Pour ne pas tomber, il remue le balancier comme les ailes d'un moulin. Tout le monde se jette à plat ventre, sauf le professeur. Descends de ce fil, crie-t-il. Trop tard. Il aurait dû se baisser. Il reçoit un coup de balancier sur la tête et envoie trente-six chandelles. Le lendemain, le professeur a une grosse bosse. Ce matin on va dresser Trompi, annonce-t-il. Un petit éléphant s'avance sur la piste. Il est gentil, ajoute le professeur, mais il n'aime pas les souris ni les rats, surtout ceux qui font des bosses aux autres. L'éléphant regarde la bosse de son maître, puis Ratus. Il plonge sa trompe dans un tonneau plein d'eau, et pchit, recrache tout sur le ravers. Furieux, Ratus saisit la trompe de l'éléphant, et souffle dedans de toutes ses forces. Le petit éléphant prend peur. Il balance sa trompe à droite. À gauche. Jamais un rat ne lui avait fait ça. Marou et Mina se sauvent. Le professeur essaie de calmer son éléphant. Hélas. Il reçoit un coup de trompe sur le nez et tombe. Trompi ne comprend pas. Il regarde son maître, puis s'en va, tout triste. Ratus en profite pour jeter un seau d'eau sur le professeur. Ça va lui faire du bien, dit-il. Ratus est puni. Pendant deux jours, il doit nettoyer la ménagerie. En le voyant arriver, le tigre propose au vieux lion de se partager le ravers au déjeuner. Je mange le haut, tu manges le bas, d'accord? Euh. Ferratus, attendez, je vais vous chercher de la viande. Et il vide tous les frigos du cirque pour nourrir les fauves. T'es sympa, dit le tigre en dévorant un gigot d'agneau. C'est bon, mais c'est froid, dit le lion, qui a un peu mal aux dents. Quand Ratus revient à l'école du cirque, le professeur l'attend de pied ferme. Toi qui es si malin, dit il, je vais te calmer. Et il fait dresser la cage des fauves sur la piste. Entre là dedans, si tu as du courage. D'accord, dit Ratus en ouvrant la porte grillagée. « Pas de problème, j'y vais. » Et il referme la cage derrière lui. « Ratus Crimina, fou, !» crie Mina. « T'es fou, c'est dangereux !» Le professeur n'aurait jamais cru que le raver entrerait dans la cage des fauves. Il voulait juste lui faire peur. « Salut !» dit Ratus au vieux lion. « Tes dents, ça va mieux ?»« Coussi, coussa !» répond le fauve. « Et toi » demande-t-il au tigre. « Tu reprends des forces ?» Et le tigre lèche l'oreille de Ratus en ronronnant. Tous les élèves applaudissent. Comment fais-tu demande le professeur. Facile, répond Ratus. Je sais parler aux fauves, moi. Une semaine plus tard, l'école du cirque donne un grand spectacle. Et devinez qui fait travailler le vieux lion et le tigre C'est Ratus, bien sûr. Je t'aime bien, dit le tigre à voix basse. Mais j'ai quand même envie de te manger. Tu ne peux pas, répond Ratus. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas bon. J'ai le goût du fromage. Dommage, soupire le tigre en retournant sur son tabouret. Et tous les spectateurs applaudissent Ratus. Jamais il n'avait vu de fauve aussi obéissant.